La première couche est terminée, maintenant c'est la deuxième couche, donc ça c'est vraiment très important de partir sur deux couches. Alors évidemment c'est beaucoup plus de travail, mais cette deuxième couche va te permettre de 1. Récupérer encore mieux ton trait, et que ça soit de plus en plus droit, et en plus de ça, ça va permettre d'avoir une bonne brillance au niveau de la peinture et que les pigments soient bien restitués. Par un carré, parce qu'il est beaucoup plus facile de finir par un carré que par un losange. Ça, c'est une question d'angle. Voilà ce qu'on peut obtenir avec un losange qui fait 25 par 12,5, donc 1 par 1,5. De l'ombre de ce côté-ci, pour que on comprenne que la lumière vienne par là, donc très foncé, moins foncé, plus clair et très très clair. Voilà, tu aurais pu le faire avec un fond blanc, tu as vu que c'était vraiment pas mal aussi. Si toutefois tu n'es pas tout à fait droit, je te fais voir comment tu peux rattraper ton trait. Il faut prendre une règle avec un biseau dessous, comme ça, ça ne vient pas baver. Tu viens souligner ta forme avec un stylo fin. Et si c'est pas assez épais, tu peux augmenter un peu l'épaisseur de ton stylo si tu veux, absorber encore plus les défauts. Voilà. Là, tu vois, c'est pas tout à fait droit. On peut passer encore sur un plus épais. Et ça peut donner un style aussi. Voilà. Tu vois, tu peux entourer plus ta forme si tu veux comme ça. Bon, ce qui est important, c'est d'avoir des stylos... des stylos indélébiles et qui résistent à la lumière. Que ton feutre ne s'en aille pas dans le temps à la lumière. Si tu as fait cette peinture pour... 5-6 ans et que ton mur est exposé un peu au soleil, prends quelque chose de résistant. Voilà, c'est un style un peu différent. J'espère que tu vas pouvoir faire cette décoration chez toi. C'est quand même pas mal de travail parce que pour 3 mètres carrés, j'ai passé à peu près 15 heures de travail.